Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo 3 minutes make-up challenge, voilà tout simplement. Donc je pense que vous pouvez voir que je peux maquiller, donc cela explique ma tête, excusez-moi. Donc j'ai mis sur mon téléphone, je sais pas si vous allez voir, le minuteur, donc 3 minutes, voilà. Désolée, je mets le son parce que... Donc avant de commencer, je vais vous présenter les produits que je vais essayer de tout... que je vais essayer de... En gros, de tous les mettre. Désolée si je m'exprime mal. Donc, en premier, je vais appliquer ma double perfection... Enfin, ma crème poudre de chez Chanel. Donc ça atteint 42, donc la pétale, voilà, qui est super bien, la texture est géniale. Bon bref, je vais pas non plus vous trop parler parce que sinon ça prend 10 ans. Ensuite, en échantillon de l'anti-cerne, enfin l'efface-cerne de chez Lancôme, qui est génial. Donc ça atteint 02 beige sable. Ensuite... au niveau des yeux, je vais prendre cette petite couleur. Voilà, c'est une couleur très simple. Ensuite, je vais appliquer mon crayon de chez Make Up For Ever, c'est la teinte noire tout simplement. Avec, donc ça c'est un crayon Yves Saint Laurent en fait, mais... Là il y a un crayon, donc il est pas taillé. En fait j'utilise pas en ce moment, donc voilà. Et en fait c'est un petit tampon en silicone, c'est pour estomper mon crayon. Parce que je trouve que c'est je préfère personnellement. Voilà. Ensuite, toujours au niveau des yeux, mon mascara que j'adore. Enfin mon nouveau mascara. Donc c'est le Zero Cat, que je pense que vous connaissez à mon avis. Voilà, The Rocket Volume Express de chez Gemma Eveline. Ah oui, j'ai oublié au niveau de mon teint, excusez-moi. J'ai oublié la... Enfin bref, on peut pas dans l'ordre, mais bon. Donc, une poudre de chez Gemma, toujours. Donc, c'est la dernière touche confort. Et ça teinte 03, la beige dorée. Avec un blush de chez Nocibé, je vais utiliser que cette teinte... Donc c'est la rose que je vais utiliser. Désolée pour la luminosité. Ben. Désolée, on est le soir et c'est pas la qualité de malade que j'ai, donc excusez-moi. Ensuite, je vais appliquer, enfin je vais venir essayer d'appliquer mon petit truc pour... mon petit truc. Mon... Enfin, pour remplir mes sourcils, quoi, de chez Agnès B. Excusez-moi, c'était pas prévu. Donc, voilà, ça teinte 174 chèque en noir, parce que les sourcils sont assez foncés. Voilà, avec un petit... avec un petit tambour mousse, comme ça. Ensuite, avant ça, pardon, je viens de les brosser mes sourcils. Après, au niveau des lèvres, je vais prendre un hydratant tout simplement de chez Aven. Donc c'est le, attendez, Cold Cream, donc un stick à lèvres. Et pour terminer, un rouge à lèvres de chez Guerlain. Non, je vous dis n'importe quoi, de chez Lancôme, excusez-moi. Donc il est assez foncé, mais il rend moins foncé sur les lèvres. Voilà, il n'y a pas de référence, c'est effacé. Donc je pourrais pas vous dire, je suis vraiment désolée. Voilà. Donc, je vais appliquer n'importe quoi. Je vais mettre le minuteur. Allez, c'est parti. 3, 2, go. Alors, tout d'abord, je viens mettre, donc j'ai mon miroir aussi, ma
ma crème teintée de chez Chanel. Voilà, donc des pêches. Hein. Voilà. Non, mais partout. Alors bon, je sens que j'ai pas réussi ce défi, mais c'est pas grave. On va quand même essayer. Je vais mettre mon anti-cerne. Là, je me dépêche. Bon, là, j'ai mis n'importe comment, c'est pas grave. J'en mets un petit peu sur mon nez. Bon, c'est un ensemble correcteur hein, quoi, j'utilise pour les deux. Ensuite, je viens appliquer ma poudre avec un pinceau. Donc c'est un pinceau pour le blush normalement. Mais c'est pas grave. En fait, j'utilise pour le blush et la poudre. Donc certains peut-être vont me dire que voilà. Hein. Tu utilises le même pinceau, etc. Mais oui, j'utilise le même pinceau parce que j'ai que ça. Pour le moment, je vais prévoir acheter. Donc voilà. Donc voilà pour la poudre. J'ai oublié de poudrer mes cernes, donc c'est pas grave. Ensuite, je mets un petit peu de blush. Combien de temps il me reste? Oula, 33 secondes, c'est mort, mort, mort. Je vais faire les lèvres. Voilà. Oula. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là. Du crayon. Oh putain, 10 secondes. Bon bah voilà, c'est fini. Hein. Hop. Donc conclusion, je vais vous montrer tout ça. J'ai pas fait mes sourcils, je me suis fait vite fait le teint. Voilà, c'est un petit peu ça va. Bon, le blush n'est pas très bien estompé. J'ai le temps de mettre du rouge à lèvres, donc ça je pense que ouais, je mets vite fait aussi. Je me suis mis du crayon dans la muqueuse que du coup j'ai pas pu estomper. J'ai mis du mascara vite fait sur un œil. Donc il n'est pas bien maîtrisé du tout. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Donc voilà. C'est malheureusement un échec. C'est ce que je pensais, mais. 3 minutes, franchement, ça passe vraiment super vite. On s'en rend vraiment pas compte. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos, à vous abonner, à liker, à partager, etc. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!